Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous proposons un dossier spécial sur la pollution plastique dans les océans. Comme nous l'avons vu sur les images, la pollution des océans est devenue un des sujets les plus préoccupants. Un jeune auto-entrepreneur de 23 ans a donc décidé de monter sa propre start-up, SEAL, afin de lutter contre la pollution plastique dans les océans. Reportage de Marianne Hennas et de Bernard Fichot. Alors bonjour, nous voici aujourd'hui à Strasbourg pour rencontrer John Lenz, un jeune entrepreneur de 23 ans. Merci Laura Boca. Nous sommes actuellement avec John Lenz dans son laboratoire. Bonjour, comment allez-vous? Très très bien, et vous? John, votre startup est donc en rapport avec le plastique. Racontez-nous ce que vous a incité à créer votre startup, SEAL. C'était un jour très banal. Je me promenais sur une plage et j'ai découvert un phoque vraiment blessé. Du coup, j'ai appelé un vétérinaire. Et quand il est venu, il nous a dit qu'il était mort et qu'il avait avalé 13 morceaux de plastique, plus ou moins grands. Ce qui est alarmant, c'est de voir que seulement 3% des déchets sont à la surface de l'océan, pour l'instant. C'est donc ce phoque qui vous a incité à créer votre startup? Pas exactement. Au début, j'y pensais de temps en temps, mais c'est quand mon entreprise a fermé que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et j'avais le temps pour le faire. Alors, quel est l'objectif de cette start-up? L'objectif est plutôt simple. Il consiste en une dégradation enzymatique du plastique pour pouvoir le recycler par la suite. Pouvez-vous nous en dire plus sur le recyclage? Aujourd'hui, seulement 14% des plastiques sont recyclés et 14% sont incinérés. Le reste n'est pas traité, ce qui est assez alarmant. De plus, dans les plastiques recyclés, seulement 20% de l'ancienne matière est réutilisée. Quel est donc l'intérêt de votre méthode? L'intérêt de notre méthode est de transformer le polymère en monomère, qui est la matière première du plastique. On pourra donc faire du plastique recyclé à 97%, ce qui est donc un pas vers l'avant. Mais nous espérons que tous vos projets aboutiront pour le bien de notre planète, notre bien à tous. Vous pouvez retrouver sa cagnotte en ligne sur notre site internet. Merci et bonne chance pour votre projet. Merci. Chaque jour, la pollution plastique progresse un peu plus. Aujourd'hui, la pollution marine atteint un stade avancé. Entre 7 et 18 millions de tonnes de déchets plastiques sont déversés dans les océans chaque année. Il faut savoir que 80% de ces déchets viennent de l'intérieur des terres et sont transportés par les fleuves. Ils ont des conséquences directes sur la vie marine. Leur ingestion provoque la mort d'animaux. Environ 660 espèces sont touchées. Ces plastiques mettront entre 100 et 200 ans à se dégrader en micro puis en nanoparticules. Une fois ces tailles atteintes, ce qui se produira massivement dès la fin du XXIe siècle, on retrouvera ces résidus plastiques dans l'ensemble des chaînes alimentaires issues de l'océan. Ce qui veut dire que les plastiques finiront dans nos assiettes. Pour récupérer ces particules, il faudrait filtrer tous les océans. Vous imaginez ? Un milliard de mètres cubes ! C'est juste impossible. Alors agissons maintenant.